Et bonjour à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se trouve pour voir ensemble un nouveau véhicule sur GTA 5 Online. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et bah écoutez, c'est, on dirait vraiment un corbillard louche, mais c'est le nouveau véhicule Halloween. Alors, j'ai pas encore custom, je pense qu'on le voit un petit peu. Alors j'ai pu voir quelques modifications qu'on pouvait faire. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il vaut, encore une fois, j'ai ses caractéristiques, comme tous les véhicules finalement, on va le tester tranquillement. Mais c'est vrai que celui-là est un nouveau véhicule. À voir ce qu'il vaut réellement. Je ne sais pas si ça va être un banger. En tout cas, faut pas trop en demander. Je pense que vraiment on le voit. C'est quoi d'ailleurs? C'est pas un sportif. C'est quoi? C'est une grosse cylindrée. Ouais, bon, oui, d'accord. Je sais pas combien il y a de place. Il y en a beaucoup, non? Ouais, 4. Ouais, je pensais plus quand même. Parce que l'arrière. Bah, ah, mais oui, mais c'est un corbillard. Je suis con. Halloween, ils ont forcément fait un corbillard. Ah, je suis un débile. En fait, c'est vrai que j'ai pas pensé que corbillard c'était la mort. Halloween, ils ont dû faire un corbillard un peu louche. Ok. Bon, bah écoutez, c'est quand même un certain prix. Comment il s'appelle déjà? C'est vrai que je l'ai pas dit. Le Albany Brigham. Voilà, bon, ça m'a pensé à Beckham. Je sais pas pourquoi. Ça m'a pensé vraiment au joueur de foot. Mais après, pourquoi pas. Il coûte, je crois, quand même. Je vais vous le dire, ce que je viens de l'acheter, ça m'a quand même fait mal au cul pour ça. 1 million. Alors, c'est précis. Hein, 1 499 000. Voilà, ils se sont pas dit 1 500 000. C'est trop. 1 499 000. Ça passe. Voilà, ils se sont vraiment dit, ça passe encore. Bon, on va aller le custom. Je pense que les customisations vont coûter encore plus cher. Je pense vraiment que la customisation va faire mal au cul. Mais bon, on va pas trop en demander. C'est vrai que Rockstar sort des véhicules. On va... Oh, ok. Bon, ça va. C'est vrai que Rockstar déjà sort des véhicules. On va pas non plus trop en demander. Voilà, déjà, ils sortent un truc. C'est vrai que je sais pas si l'an dernier... Je pense que l'an dernier, si, ils avaient dû faire un truc. Je me rappelle pas, mais si, ils avaient dû sortir un truc à la con. Y a un mec qui me casse les reins, m'invite dans son garage, frérot. Je suis désolé, mais non. C'est vrai que je suis en session publique, voilà, je sais pas si c'est intéressant ou non de le dire. Ça change, c'est vrai que généralement je me mets en session, on va dire, un peu privée, un peu tranquille. À voir ce que ça donne. Tranquillement, on va aller là. C'est vrai que là je fais plein de trucs pour mes miniatures. C'est vrai que si vous me voyez un peu des fois de temps en temps prendre des vidéos à la con, c'est vraiment pour ma minia au cas où, quoi. J'ai envie de te dire, voilà. C'est vraiment... parce que le véhicule, je sais pas trop comment je vais en faire une miniature, je vais pas te mentir. J'arrive pas à savoir s'il est beau ou non. Ou s'il est utilisable. C'est vrai que... Est-ce que vraiment vous avez utilisé? Genre là, 1 500 000. Ah, on va... Franchement, si c'est un banger, je vais le dire. Si c'est de la merde, je vais le dire aussi. Alors, je vais quand même... On va quand même custom tranquillement. Ok, bon, on va le mettre. On va le mettre un frein. On met pare-choc. Bon, bah pourquoi pas. On met des trucs. Je sais pas trop ce que je mets. Moteur. On met échappement. Merde, c'est pas grave et tout. Ouais, ça c'est à côté. Si on a le côté là... Bon, on met, ok, explosif, on s'en fout, calante, fais voir, c'est l'avant. Ouais. Ah, c'est tout? Bon, on m'en reste en couleur 1, je vais pas trop m'embêter. Accessoire capot. Ouais, c'est des détails, hein, c'est des détails, mais oui, pourquoi pas, on le met, franchement, on met. Ah! Ouais, on va mettre le plus cher, juste parce que c'est le plus cher, hein. Vraiment, je fais le kéké. Type intérieur, fais voir un petit... Ah bah voilà, c'est... Bah oui, je suis juste un connard, il y a bien un corbillard. Alors ça fait un lit d'hôpital, ok? Ou vraiment un cercueil? Ah, c'est un brancard, oui, c'est un brancard. Ou un cercueil? Ah, je sais pas c'est quoi, parce que du coup, le cercueil, vous voyez, il rajoute des rideaux. Pour un peu cacher, alors que le corbillard... le brancard, je veux dire. J'aime bien le brancard, non? Ça change un peu, le brancard. Ah, je sais pas, ouais, brancard, c'est moins glauque comme brancard. Je sais pas pourquoi je préfère un peu qu'un brancard plutôt qu'un... Voilà, voilà, c'était psychologique aussi, mais je sais pas, je trouve ça plus stylé avec les... Je sais pas, je trouve plus stylé. Kit, on va le mettre pour le principe, même si je sais pas d'autres que... Couleur, allez, fait... Non, on va le mettre noir. Enfin, noir, c'est un peu du violet, mais c'est pas grave, on va faire noir. Motif, alors, je pense, là, il y a des trucs... Pas mal, et encore, là, j'ai un doute... Ah, remarque ça, il y a un style, non? Rouge, ça fait un peu démon. Ok. Ah, c'est tout. Ouais, franchement, ça fait... Ah, vert Halloween, oui, ça fait vert Halloween, allez, rétroviseur. Fais voir un peu ce que tu me proposes, je pense que ça va être assez classique. Ouais, bon, bah, je mets pour vraiment pour le principe, ça, la plaque, faudrait que je la change, mais c'est pas grave, parce que Pierre, c'est que la moitié de mon prénom, mais c'est pas très grave, c'est un début. Fais voir juste un peu, chrome. De toute façon, je pourrais même pas, non, enfin, je pourrais pas ici, en tout cas. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre, sinon, si je mets vert... C'est vrai que j'ai du verlime. Normalement, j'ai gagné le verlime à force de jouer. Fais voir ce que ça ferait, mais. Ah, c'est du nacré que j'ai mis. Non? C'est quoi que j'ai mis? Verlime, il y a un délire. C'est quoi que j'ai mis? Bon, on va faire verlime. Accessoire, toi.
Il y a un délire, mais j'aime bien les gyrophares. Alors j'espère il marche. Hein. Tu sais quoi, on va mettre les deux. J'espère il marche. Franchement, s'il marche pas, je serais un peu dégoûté. Oh, pourquoi mettre des valises, je sais pas là. Ouais, non. Ça sert à quoi ça? Ah, tu surélèves? Ouais, attends. Ouais, pourquoi pas. Vendre, non, ça me sert à rien. Suspension, ouais, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de le baisser. Ça, c'est vraiment pour le principe. Les roues, je change pas, c'est stylé. Vite, non, faut qu'on voit l'intérieur. Ok. Et il y a un délire. Il y a un délire un peu esthétique. J'aime bien à l'arrière, finalement, le lit un peu d'hôpital. Oh, le brancard. J'aime bien. Attends, petite miniature, même s'il commence à faire un peu nuit, j'ai un peu le seum. Ça fera l'affaire. Merde. Il est où le soleil? Ok, en vrai, pourquoi pas, il y a un délire un peu esthétique. Maintenant, ce qu'on veut utiliser, je sais pas, fais voir un peu à l'intérieur. Ok, l'intérieur, ils ont fait un effort. Attends, ils ont fait un réel effort. En vrai, ça change vraiment des trucs qu'on a habituellement. Donc, ça. Bien vu, Rockstar. C'est assez ancien, je pense que c'est fait exprès. Le volant, j'aime bien le volant, il y a un petit délire. Bon, le compteur, je suis pas fan, mais bon, ça, allez, on va dire que c'est du ancien, ils ont essayé de faire un truc. Oh, le klaxon. Ok, par contre, moi je veux voir les gyrophares. Dis-moi qu'il marche. Eh ben, il marche pas. Bye. À quoi je m'attendais? Bah, en tout cas, alors, je pense qu'il marche pas, j'ai fait flèche droite pour les phares. Ça ne fait rien. Pourtant, Ouais. Alors, ça fait peur aux gens? Attends. Ok, les gens ont peur, ok. Très bizarre, mais pourquoi pas. Mais les phares s'allument pas, j'ai le seum, genre ça sert à rien. Tu sais, pour faire un truc un peu comme la police, tu sais, la police quand tu prends avec le flic, et bah, les gyrophares derrière, ils font un truc. Là, non. Bon, fais voir un petit peu, on va voir sa vitesse maximum, elle est à 105 miles par heure, c'est pas si mal, parce que les gars, va quand même à 100, on va arrondir, 170 km/h, c'est pas si mal, en vrai, pour un véhicule de merde, enfin, on va pas se mentir, c'est pas un véhicule rapide, ah, remarque, on le voit, hein. On le voit, il est pas lent, par contre, c'est une antenne sur le côté, wesh, l'antenne qu'il y a, ah, il y a deux antennes, regardez les antennes, je sais pas si vous les voyez, attends, il y a des antennes, genre, sur les côtés, à l'avant droite et à l'arrière gauche, c'est très spécial quand même. Je sais pas si. Ok, c'est très très spécial comme véhicule. 1 500 000 par contre, ça fait cher hein, pour cette merde. Hein. Ça fait quand même bien bien cher. Hein. Non, en vrai, c'est stylé, c'est un véhicule oasis. Franchement, c'est y a un style. Mais ça sert pas à grand chose. Tu vois, 1 500 000, je veux qu'il y ait une caractéristique, genre sauter rapide, sauter. Voilà. Parce que bon, juste gaulerie, 1 500 000 quand même. Bon, 170 km/h, ça va. Franchement, ça va. Fais voir un petit peu les caractéristiques que. Mettre Rockstar finalement dans ce véhicule là, c'est-à-dire freinage et compagnie. Merde, ils l'ont pas mis encore. Pas grave, remarque, je pense qu'on peut le voir là. Malgré tout, si je fais ça, hop, on peut quand même le voir là rapidement. Vitesse max, bon, ouais, accélération, ouais, freinage, ok. Traction, ça va être un peu le. Bah, traction, ça va être le truc habituel que je vois, ça va être une route. Moyen, bon, tout est moyen. Freinage, par contre, ça a l'air vraiment d'être pas bon. Entre 20 et 40, je pense que là c'est moins de 20. Accélération, c'est pas fou, c'est la moitié. C'est vraiment pas fou. Et vitesse max, ok. Bon, ce véhicule-là n'est pas du tout fait pour ses caractéristiques, on va dire, techniques. On va pas se mentir que là, compliqué. Même si, je trouve qu'il a une belle vitesse. Regardez. Non, je trouve que il va quand même assez vite. Enfin, en tout cas, de vue. Faut voir le freinage. Ah, le freinage, c'est vraiment mauvais. Ah, le freinage, il est long. Il est tardif, il est très très tardif. Mais après, c'est pas son but. Hein. Franchement, là, je le teste pour le principe, mais... C'est pas son but. Enfin, c'est quoi son but finalement? Est-ce que ça fait peur aux joueurs? Je sais pas. En vrai, c'est juste parce qu'il est un peu louche. C'est un brancard version. Ouah, version louche, quand même. Fais voir. Ah ouais, bah voilà, ça me fait rire. Voilà, c'est juste ça. Alors, fais une route. Ah, en vrai, ça va. Mais il est lourd en fait. Parce qu'il paraît vraiment, vraiment, vraiment lourd. C'est vrai que. Yeah, ça va quand même, je trouve ça... Non. Ah, j'ai pas fait exprès de... Ça fait peur aux joueurs ou pas en plus? Est-ce que genre là, ce mec là... Ça change rien? Bon, c'est un klaxon classique, hein. Enfin, tu sais, je m'attendais pas à grand chose, mais ouais, il a loupé le stop. Tu sais, c'est pas un klaxon qui fait sortir les gens d'un coup. Enfin, tu sais, y a pas de caractéristiques, tu vois, ils auraient pu faire un truc, c'est dommage. J'ai l'impression qu'ils font à moitié des choses. Ils mettent des phares et tout là, enfin t'es des alarmes, ça sert pas à grand chose. Ils mettent un klaxon différent.
Ça fait peur un peu au PNJ, j'ai l'impression, mais est-ce que c'est pas pareil avec tous? Ouais, je sais pas trop. Alors, je sais pas s'il peut faire des trucs stylés avec les fantômes. Vous savez que là, cette semaine, et jusqu'à la fin, je crois, enfin tout ce mois-ci, et bah, vous pouvez chercher des fantômes sur la map. C'est vrai que j'ai pas fait cette vidéo-là, mais je pense que je la ferai. Je le ferai ça tranquillement. C'est vrai que j'aurais dû faire ça un peu plus tôt quand même, c'était plus smart, mais tant pis. C'est vrai qu'avec les courses compliquées, mais bref, je vais pas raconter ma vie. Mais c'est vrai que. Ils font un peu les trucs à moitié quoi. Alors je sais pas si justement en allant chercher les fantômes sur la map, il y a des trucs en plus. Je pense pas du tout qu'ils aient pensé à ça, franchement. Mais c'est dommage parce qu'ils pourraient vraiment faire des trucs Halloween, mais un peu plus stylés, genre 1 500 000. Un véhicule comme ça, tu sais, ils pourraient faire des trucs. Genre, tu sais, je sais pas moi, il affiche un fantôme en hologramme, j'en sais rien. Il fait des. Genre, tu vois, genre là par exemple, je mets les phares. Rien que sur le mur, imaginons, le mur, il pourrait éclairer un fantôme. Je sais pas, c'est un truc de merde. Ils le font pas. Après, je devrais peut-être. J'aurais peut-être faire mon GTA 6. C'est vrai que j'aurais peut-être faire mon GTA 6 à moi, ça serait mieux. Mais vraiment, je sais pas. C'est dommage. Là, tu vois, je m'attendais à un truc. Alors, le truc qui est bien en vrai dans ce véhicule, c'est l'arrière. Voilà, l'arrière, il fait rep. Alors, vraiment, fais voir un peu. Alors, l'arrière. Je pense que. Après, non. Après, là, j'ai fait la truc de facilité un peu. Je pense pas que je puisse. Attends, est-ce que je peux ouvrir le véhicule? Ce serait incroyable. Oui, je peux l'ouvrir. Ok, stylé, stylé, stylé. Donc, du coup. Enfin stylé, bon c'est quand même, voilà. Bon je pense que pour le cercueil ça va faire un peu plus peur. Là on dirait un truc un peu d'hôpital et tout. C'est fait, c'est pas si mal. En vrai il peut se transformer en un truc d'hôpital. Tu vois, qui fait moins peur. Mais ok, là tu vois j'aime bien, il y a un délire. Donc je pense bien que c'est un 4 places hein, de ce côté là, merde pas fait exprès. De ce côté là oui je pense bien que c'est un 4 places. Oh l'arrière t'as vu ou pas? On dirait un peu une sorte de limousine comment c'est fait. Ok, il y a un vrai. Oh mec je me dis comme ça, il y a un vrai délire. Bon, en tout cas, oui, aïe. Ah ouais, bon, là, le véhicule est pété. Attends, je vais fermer la porte, nickel. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un petit pneu à l'arrière. Il y a un petit pneu à l'arrière, ok. Les phares derrière s'allument. Non, il a un style physique, mais quand même, bon. Bon, en tout cas, voilà, les gars, c'est une petite vidéo quand même pour tester ce véhicule-là. Est-ce que vous allez l'acheter? Je sais pas. Franchement, 1 500 000, encore une fois, je l'ai beaucoup dit, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, voilà, moi, j'en ai même pas mal, donc j'en profite. Mais sinon, c'est vrai que c'est dommage. Tu sais, ils font des trucs à moitié. J'aimerais bien qu'ils fassent des trucs un peu plus. Tu vois, c'est un truc d'Halloween. Ils mettent un seul véhicule, à moins qu'ils en sortent d'autres. Dans ce cas-là, c'est rattrapable. Ils auraient pu faire un truc de plus. Franchement. Bon, en tout cas, voilà, les gars, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. C'était Pierre. Laisse que des bonnes choses. Petit pouce bleu, abonne-toi. Et ciao.